Nous allons soustraire ce nombre-là de celui-là. Le calcul avec moins s'appelle soustraction. Pour effectuer cette soustraction, nous mettons le nombre qu'on retire en dessous de l'autre, en respectant bien la colonne des chiffres d'unité, la colonne des chiffres des dizaines, etc. Commençons à droite. 6 moins 5, ça fait 1. 2 moins 4, le 2 est trop petit dans l'ensemble n pour en retirer 4. C'est pourquoi au-dessus de ce 2, nous mettons 10 et en dessous de la colonne suivante, nous mettons 1. Et nous faisons la soustraction 12 moins 4. Ça, c'est 8. Voilà. Colonne suivante, 3 moins 9. Le 3 est trop petit dans n pour en retirer 9. Par conséquent, au-dessus de ce 3, nous mettons 10 et en dessous de la colonne suivante, nous mettons 1. Et nous calculons 13 moins 9, ça fait 4. 7 moins 4, ça fait 3. Et 9 moins le 0 qui est là, mais qu'on n'écrit jamais à gauche d'un nombre. 9 moins ce 0, ça fait 9. Donc, ce nombre moins celui-là, ça donne 93 481. Le résultat d'une soustraction s'appelle la différence de ces deux nombres. Nous pouvons effectuer beaucoup de calculs écrits pareils et tester au moyen de la calculette avec cette touche moins. Regardons maintenant si la soustraction dans n est commutative et associative. D'abord la commutativité. Regardons cet exemple-là. 12 moins 4, c'est 8, mais 4 moins 12, ça n'existe pas dans l'ensemble n. Par conséquent, 12 moins 4, ce n'est pas la même chose que 4 moins 12. Et donc, la soustraction dans l'ensemble n n'est pas commutative. Nous écrivons en général A moins B n'est pas égal à B moins A lorsque A et B sont des nombres naturels. Nous disons que la soustraction des nombres naturels n'est pas commutative. Regardons maintenant l'associativité. Dans ce calcul-là, on calcule d'abord les parenthèses. 12 moins 4, ça donne 8. Et 8 moins ce 3, ça donne 5. Maintenant, nous glissons ces parenthèses vers la droite. Ce calcul-là signifie, il faut d'abord calculer ce qui est entre parenthèses. 4 moins 3, ça donne 1. Et 12 moins ce 1, ça donne 11. Par conséquent, 12 moins 4 moins 3, ce n'est pas la même chose que 12 moins 4 moins 3. Donc ça ne donne pas le même résultat que ça. Généralisons ça avec des lettres. A moins B moins C, ce n'est pas la même chose que A moins B moins C. Donc pour la soustraction dans n, on ne peut pas glisser les parenthèses vers la droite. Par conséquent, la soustraction des nombres naturels n'est pas associative.